Al Dente sur la RTS avec COP et les recettes de Betty Bossi, présentées par Sébastien Rey. Bonsoir à tous. Un grand classique de la cuisine espagnole, la paella. Et nous, on s'est inspiré de la paella Valencia avec de la viande, des crustacés, des légumes. Ensuite, du citron, ça va bien aromatiser, donner une touche de fraîcheur à la paella. Et tout cela, je vais le couvrir et continuer de cuire à feu doux quelques temps. Top chrono, première question. De quel lait est fait le roquefort? Aurélie. Brebis. Brebis, c'est une bonne réponse. Vous passez à 10 points. Quelle fête fribourgeoise ne peut se passer de sa moutarde? La bénichon. La bénichon. On ne souffle pas dans le public, s'il vous plaît. Voilà, je crois que... elle demande qu'à être mangée. Absolument. Il y a de tout là. Avec les gambas, les cuillères, le poulet, le lapin, les moules, les calamars. Alors, on va vraiment se régaler là. Je vais me régaler. Vous allez faire des rushties. Alors, vous avez tout ce qu'il faut à disposition. 60 secondes, top départ. Il faut vous dépêcher un petit peu. Il y a 100 points à marquer pour l'instant. Il y a une égalité masculine. Attention, c'est bientôt terminé pour les rushties. Stop, c'est fini. Et je vais le parfumer avec du zeste de citron. Et je vais le battre avec ma machine, de manière à ce que j'ai un mélange qui soit bien, bien homogène. Pour notre entrée, on va servir des oignons. J'adore quand tu fais quelque chose au tépagne. Ça fait penser à l'été, aux grillades, au barbecue. Exactement. Et justement, pour les oignons fans, c'est parfait. C'est une grande surface. Bien les repartir comme ça. Et c'est des aiguilles de la plante rooibos de l'Afrique du Sud qui va très bien se marier avec notre risotto. Alors, on va juste laisser infuser ça 3 ou 4 minutes et j'ajouterai mon thé qui sera parfaitement infusé. Et cette cuisson parfaite grâce à la cuisson sous vide, à la vapeur. Alors, juste couper quelques tranches comme ceci. Vraiment un résultat parfait. Alors l'autre comme ceci. Quel est le nom de ces petits restaurants typiques de la région de Lyon? Ce sont les Bouchons. Si vous avez répondu correctement, vous avez peut-être gagné ceci. Offert par Cooker, un robinet fusion d'eau bouillante d'une valeur de 2000 francs. Avec un menu piémont, peut-être que tu avais une inspiration. Eh ben oui, un vin blanc. La Migne de Vétro. Ouais, c'est un très beau cépage avec un nez subtil, un peu de mandarine comme ça, d'abricot. Chantez tous les deux. Le poulet. Et pour ce faire, j'ai commencé avec des morilles séchées que j'ai juste pilées comme ça jusqu'à obtenir une belle poudre. Première dégustation que Gilles nous propose. Top départ, bonne dégustation. C'est terminé. Enlevez vos lunettes. Stéphania, du salami. David, la copa. Il y a une bonne réponse. Stéphania qui marque 200 points. C'était du salami. Bravo Stéphania, vous avez bien mérité le cadeau que voici. Bravo. Des appareils électroménagers au choix, offerts par Millet, d'une valeur totale de 5000 francs. Et on va donc trinquer à la Migne ce soir pour terminer cette émission. C'était Al Dente sur la RTS. Avec les recettes de Betty Bossi, Millet et Coop.